l'un des plus grands écrivains algériens. Patriote de son pays, bien entendu, mais dont l'œuvre est écrite en français et est aussi connue peut-être en France qu'en Algérie. Vous allez l'entendre parler de la rencontre des deux cultures et par conséquent des deux peuples. Rencontre tragique à tant d'égards, mais peut-être aussi pleine de promesses. Rencontre qui, dans le passé, a lié indissolublement pour le meilleur et pour le pire ces deux peuples et qui fait que, dans l'avenir, ils ne pourront plus jamais se regarder avec indifférence. L'Algérie a connu 130 ans de présence coloniale. L'Algérie existait avant. Qu'est-ce qu'elle était avant, l'Algérie? C'était un État islamique. C'était un État islamique englobé dans le grand ensemble islamique. Et les hommes algériens se sentaient d'abord comme des musulmans. Enfin, il n'y a qu'à penser que l'Algérie était sous domination, en tout cas nominale, d'un gouvernement turc, puisque le Dey lui-même était turc, et tout, la plupart de ses officiers, de ses grands administrateurs étaient des Turcs. Il y avait aussi des Algériens, bien sûr. De plus en plus d'Algériens, d'ailleurs, vers la fin. Mais ces Turcs n'étaient pas du tout sentis comme des étrangers. D'abord parce qu'ils étaient musulmans, ensuite parce qu'ils s'étaient algérianisés depuis le temps de leur entrée en Algérie. Là-dessus, il y avait certainement une société à la fois urbaine et rurale, avec une très vieille civilisation, un certain équilibre, une certaine intégration de cette société. Et c'est tout cela, je crois, qui a été détruit par cet événement absolument capital pour la société algérienne, qu'a été l'occupation coloniale, surtout pour la première génération. Pour la première génération qui a eu à subir justement le choc, non seulement le choc militaire qui peut-être est secondaire par rapport à l'autre choc, qui consistait à devoir renoncer à soi, devoir renoncer à ses habitudes les plus ancrées, enfin à sa vie simplement. Et à partir de là, il y a eu une espèce de... Enfin, il y a eu une évolution, qui je crois peut être marquée par trois étapes. Une première étape de prostration, presque, nous avions perdu tout. Une deuxième étape de, je ne sais pas comment dire, d'essai d'adaptation à la colonisation, parce que la colonisation s'est implantée de plus en plus profondément dans notre pays. Les gars étaient bien obligés de réagir à ça. Alors bon, les ouvriers saisonniers qui descendaient dans les fermes, les gars qui partaient en France, les gars qui envoyaient leurs enfants à l'école française, chose qu'ils ne faisaient pas à la première génération, parce qu'ils considéraient ça comme une espèce de démission, de trahison, etc., etc. Il y a eu toute une période de... C'était la période euphorique de la colonisation, pendant laquelle nous, c'est-à-dire la société colonisée, était obligée de s'adapter, tant bien que mal, à l'ordre existant. Bon. La troisième époque, la troisième période, ça a été celle qui a mené justement à la guerre de libération, c'est-à-dire à partir du moment où les gars ont senti qu'ils allaient tout perdre réellement, enfin, ou se perdre dans ce système colonial, il y a eu la création de tous ces mouvements nationalistes ou culturels ou religieux qui ont justement permis à l'homme algérien de se récupérer en quelque sorte, et on peut dire que le dernier acte de cet essai de récupération, ça a été la guerre de libération qui a éclaté en 1954. يجبد دور عودي يني
Traducteur fameux dans votre pays et un peu partout. Alors, est-ce que vous pouvez, si, mon Dieu, c'est impressionnant. Si je puis dire, vous abaisser à nous traduire quelques mots de cette chanson nous venons d'entendre. Je veux bien me relever jusqu'à ce niveau-là. justement, la chanson qu'on vient d'entendre maintenant. Je voulais simplement dire que ce n'est pas votre spécialité, qui sont les poètes du XVIIIe siècle. Non, les poètes d'un peu. De tous les temps, bravo. Y compris sur le. Du 20e, non, mais. Je voulais revenir à la chose suivante, enfin, comme la chanson de tout à l'heure, celle que nous venons d'entendre maintenant, est justement tout à fait branchée sur le problème actuel de la culture berbère. Parce que depuis tout à l'heure, nous tournons tous autour de ce problème-là, cette culture millénaire, comment peut-elle survivre, est-ce qu'elle en a les moyens, est-ce qu'elle en a les... ou de quelle façon elle se manifeste, etc. Et bien voilà, le texte que vous venez d'entendre... Bon, je ne vais pas tout vous traduire, mais si vous voulez, j'ai là deux strophes que l'on peut peut-être présenter maintenant. Elles disent, où est la solution? Nous l'attendons et ne l'avons pas encore trouvée. Où est la vérité? Elle attend et elle ne nous a pas encore trouvés. Où est l'injustice qui donne du pouvoir aux épreuves?
Celle-là, inutile de la chercher, il s'agit d'une injustice naturellement, car tu sais que c'est à ta tête qu'elle en veut. Dors seulement et dis qu'il est facile de l'extirper. Quand mon cœur est effervescent, quand il est euphorique, le soleil penche vers lui. Quand mon cœur est au contraire à l'ombre, il est livré aux glaces et il est froid. Mon cœur est effervescent, le soleil sur lui se lève. Mais quand mon cœur est livré à l'ombre, alors il se glace et il veut éclater. Je pense que, bon, même un peu rapide, là, je suis obligé de... Bon, je regarde le texte berbère en ce moment et je tâche de rendre en français le moins mal que je peux l'idée du texte. Donc, on voit très bien que vraiment, cette culture qui était populaire et orale auparavant, maintenant a acquis des formes d'expression qui sont modernes, qui sont branchées sur des préoccupations justement modernes, justement actuelles. Gabriel Gams. Oui, je voulais te demander si ce texte est un texte ancien ou s'il a été écrit tout récemment. Parce que ce qui me surprend, moi, c'est sa très haute élévation. Et il est, en un mot, il me paraît très peu populaire dans le sens d'une chanson populaire telle que nous l'entendons, par exemple, en Europe. Il est très poétique. Oui. Ce qui n'est pas forcément antipopulaire. Oui, mais alors là, c'est une poésie qui me paraît un peu savante. Moi, je trouve que ce que vient de dire Camps, enfin, cette petite expérience qu'il y a entre nous tous et entre lui et moi en ce moment, je crois, est tout à fait significative. Parce que nous donnons tous les deux au mot populaire une acception qui est différente. Pour Camps, de civilisation française, né français, etc., le populaire, c'est le folklorique, c'est un peu le secondaire, c'est des choses que l'on peut dire un peu simples, un peu comme ça, ludiques, hein, on danse la bourrée, enfin des choses comme ça. Oui, il est d'accord. Ce n'est pas péjoratif. Ce que je voudrais savoir, si ce texte répond, n'est-ce pas, à la pensée, disons, normale, si l'on peut dire, quotidienne, des chanteurs kabyles d'il y a 50 ans. Bon, alors d'abord je dis, ce texte est moderne. Trouve qu'il ressemble tout à fait à ce qu'écrit M. Mamry, en tout cas. Je dégage toute responsabilité, c'est vraiment pas de moi. L'introduction... Vous êtes sûr, vous n'êtes pas caché là-dessous. Absolument certain. La traduction est de moi, bien sûr, je viens de la faire au pied levé, mais le texte est vraiment de quelqu'un d'autre. Mais j'ajoute quand même la chose suivante, qui à mon sens est intéressante. Il est de quelqu'un d'autre qui est un homme du peuple. Ce n'est pas du tout un homme cultivé, sorti des universités. Parce que là, on pourrait se dire, il est en train de transposer simplement en berbère quelque chose qu'il peut très bien dire, exprimer dans une autre langue, comme le français, l'anglais, je ne sais pas, l'allemand ou n'importe quoi. Non. C'est un homme vraiment du peuple, dont le kabyle est la langue de culture tout à fait ordinaire. C'est pour cela que la question de soulever tout à l'heure entre vous, à savoir, est-ce que les berbères sont les bretons du Maghreb ou les bretons, les berbères de France, enfin, etc. Il me semble qu'il est très facile d'y répondre, dans la mesure où, pour nous, berbères, la culture berbère, et le plus souvent, peut-être pas pour nous qui avons été à l'université, mais nous sommes minoritaires, mais pour l'ensemble, c'est vraiment la culture tout court. Bien sûr. C'est là qui est la leur. Un breton, qu'il le veuille ou non, accède à la culture française dès tout jeune, enfin, etc. Il est obligé de s'inscrire dedans, si vous voulez. Même en opposition, en contestation, il est quand même obligé de se définir à l'intérieur. Tandis que un berbérophone né dans sa culture, de moins en moins maintenant, bon d'accord, mais ça, qu'importe, il y a une autre forme de récupération, il naît dans sa culture, il se développe dans sa culture et il continue de n'avoir comme expression culturelle que celle-là. Ça veut dire quand même qu'il y a là, si vous voulez, une nuance qui, à mon sens, méritait d'être soulignée. Et là, je vous signale que le chanteur qui vient de passer, là, est un chanteur tout à fait populaire, c'est-à-dire qu'il a un public populaire, les choses qu'il dit sont récupérées, assumées, par son public lui-même. Voilà, tu as répondu parfaitement à la question que je posais et je n'y avais mis aucune... Mais vous n'avez peut-être pas tout à fait la même définition du mot populaire. Mais peu importe, vous en parlerez entre vous et un peu plus tard et en dehors de l'émission. Donc il y a peut-être aussi la patte de Mamry dans la traduction qui a peut-être donné... C'est possible, moi je l'ai trouvé très poétique ce texte aussi, très Mamry, mais enfin...
Non, alors là, je m'excuse, mais vous savez ce que c'est que la poésie. Hein. Une poésie elle traduite littéralement, si elle est traduite littéralement, ça donne souvent des résultats un petit peu farfelus, là, comme ça. Non, et peu bon, en tout cas, je peux jurer la main sur le cœur, je n'ai pas trahi... Le cœur effervescent, bien sûr que je n'ai pas trahi le sens même de ce poème. يلني وغير يثرى تنهذن في قنوى ويسنندها في الليل في زيري يغوى في السر ذي صفوى ويسمع ذات ولي نقرد ذي مبان ميغيك القسمى يقجل نوسى ينغث نوسمي لا يتروم كان النيد كيفات غليظة عندك الرام عندك الجام واسم الويثر ذي تتسلي واسم الويثر ذي تتسلي Je ne peux exprimer que ma conviction personnelle est que cette culture y aura. Tant qu'il y aura des gens pour vraiment la revendiquer, l'assumer, elle ne peut pas mourir, ce n'est pas vrai.